Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler épidémie et hécatombe. Oui, un sujet sympathique comme tout. Vous la sentez un peu la vidéo démonétisée? Alors je compte sur vous pour mettre un pouce bleu dès que vous aurez fini la vidéo, évidemment si elle vous plaît aussi. Et voilà, vous pouvez même la partager. Alors non, on va pas vraiment parler du virus qui tourne en ce moment, même si on va faire un lien avec ce qui se passe en ce moment en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'une pandémie qui a marqué considérablement l'histoire, mais qu'on a tendance à un peu oublier aujourd'hui à cause du contexte dans lequel elle s'est déroulée. Et oui, lorsque l'on parle d'hécatombe au XXe siècle, on pense immédiatement à la Première Guerre mondiale et à son effroyable bilan humain, plus de 21 millions de morts, et qui a profondément marqué les contemporains. On pense aussi à la Seconde Guerre mondiale et à ses 50 à 80 millions de morts. Et pourtant, comme si ça ne suffisait pas à ces chiffres de la Première Guerre mondiale effroyablement élevés au point qu'ils en deviennent abstraits, se rajoute une pandémie qui se propage entre 1918 et 1919 à l'ensemble des continents. C'est celle de la Grande Grippe, aussi connue sous le nom de grippe espagnole, et qui a infecté environ 500 millions de personnes sur la planète, et qui a fait plus de 50 millions de victimes. Certaines sources parlent même de 100 millions de victimes. Alors vous devez savoir que j'ai vraiment beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que le sujet a été pas mal de fois traité sur YouTube. Pour tout vous dire, le script est prêt depuis plusieurs mois. Il a été 1000 fois relu, merci d'ailleurs à Justin Le Carpentier et Tania Louis pour leur aide précieuse. Et finalement j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux pour résoudre mon problème et le résultat est devant vos yeux. J'espère que ma façon de traiter le sujet vous donnera entière satisfaction. Attention, ajustez vos masques, ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Alors, les épidémies, ça, l'être humain connaît depuis bien longtemps, et bien plus encore depuis la domestication de certaines espèces animales. Par exemple, le cheval a transmis à l'homme le tétanos, le bœuf la variole et la lèpre, et le porc et le poulet nous ont transmis le sympathique virus de la grippe. Merci. Et depuis lors, l'humanité doit vivre avec les pandémies. L'Empire romain, vous connaissez, je pense. Mais saviez-vous qu'il a été victime de plusieurs épidémies? Notamment de charbon ou anthrax en 125, de peste en 169, qui emporte d'ailleurs l'empereur Marc Aurèle en 180, contrairement à ce que le film Gladiator a tenté de nous faire croire. Tu ne seras pas empereur, oui, père. Le paludisme aussi, en 450, et une autre de peste, de loin la plus impressionnante, elle durera 226 ans entre 541 et 767, et elle tuera environ 25 millions de personnes. La capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople, est atteinte en 542 et perd 40% de sa population en un été. Décidément. Mais bon, aujourd'hui, quand on parle d'épidémie dans l'histoire, on en a souvent deux en tête. C'est vrai. On a par exemple ce que les Européens ont amené dans leurs valises sur le continent américain au XVe siècle, à savoir la grippe, la rougeole, le typhus et surtout la variole, et la majorité des Amérindiens, qui étaient dans les 50 millions à l'époque, sont vraisemblablement morts de maladie et pas de la main des colons, ce qui facilite grandement la conquête européenne des Amériques. On pense aussi, et c'est le deuxième exemple, à la grande peste noire qui frappe l'ensemble de l'Europe au milieu du XIVe siècle, et dont la mortalité et le bilan humain, la disparition de 30 à 50% de la population européenne, soit 25 à 45 millions de morts, rien que ça, marqua durablement les esprits. Et ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. Avançons dans le temps, le XIXe siècle est quant à lui marqué par les épidémies de choléra, dont la deuxième touche durement le monde, et la France en 1832, faisant seulement en France plus de 100 000 victimes. Au XXe siècle, les épidémies causées par des bactéries reculent, notamment grâce à la mise au point des premiers antibiotiques au début des années 40, qui sont largement utilisés en Occident. Mais d'autres parasites sont là pour prendre le relais, notamment les virus. Ah, les virus. On a tendance à l'oublier, mais il y avait déjà une pandémie en cours en 2020, et ce depuis les années 1980. Et oui, le VIH est discret, mais il est toujours là. On sait le traiter avec des médicaments, à prendre à vie, mais on ne sait toujours pas le soigner. En 40 ans, il a fait plus de 30 millions de morts et on n'a aucun vaccin pour s'en protéger. Alors heureusement, il ne s'attrape pas juste en respirant et c'est assez facile de prendre des précautions, mais il y a quand même plus de 6000 nouveaux cas par an en France depuis 2010. T'étais pas censé parler de grippe au fait ? Pardon. Justement, faisons un petit point virologique rapide.
La grippe est causée par des virus qui peuvent être de 4 types, A, B, C et D. Ils se ressemblent, mais ils n'ont pas exactement les mêmes structures, ni les mêmes gènes, et n'infectent pas les mêmes sujets. Les grippes A touchent de nombreux mammifères, dont les humains, ainsi que les oiseaux. Les grippes B et C, les humains et quelques autres mammifères, et les D, surtout le bétail. Et voilà, et du coup, la grippe saisonnière qu'on retrouve tous les hivers, c'est souvent, mais pas toujours, une grippe A. Le souci, c'est qu'il n'y a pas une seule grippe A en fait. Théoriquement, il y en a potentiellement 198 sous-types différents. Les fameux H quelque chose, N quelque chose, H1N1, H5N8, H18N11, etc., etc. N et H désignant en fait deux protéines qu'on trouve à la surface des virus de grippe A, la neuraminidase et l'hémagglutinine, qui existent chacune en plus de 10 versions, d'où la diversité des grippes. Comme H et N sont en surface, c'est contre elles que va réagir notre système immunitaire, et c'est là que se situe le problème. Pour produire les vaccins à temps, il faut sélectionner assez tôt les souches susceptibles de venir nous embêter à l'hiver suivant, et il suffit que c'en soit une non prévue par le vaccin pour rendre ce dernier inefficace. Sans transition, la grippe est une maladie ancienne, et si elle est décrite des Hippocrate, le médecin grec antique du 4e siècle avant notre ère, célèbre pour son serment que connaissent tous les médecins, elle reste mal connue et n'apparaît que de façon sporadique. La maladie devient de plus en plus régulière au cours des 18e et 19e siècles avec la mondialisation des échanges entre les continents, mais aucune pandémie de grippe ne fut du niveau de celle de 1918-1919. Et nous arrivons enfin à l'épidémie qui nous intéresse. Eh ben c'est pas trop tôt. Comme toutes les pandémies grippales, elle a été causée par une grippe A, en l'occurrence du sous-type H1N1, qui est aussi un de ceux qui nous embêtent régulièrement en hiver, même si aujourd'hui ce n'est pas du tout la même souche de virus qu'en 1918. La toute première localisation géographique de cette souche serait apparemment les États-Unis, mais d'autres théories pointent la Chine, la Grande-Bretagne ou même la France. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette nouvelle maladie, au début en tout cas, diffère peu du virus commun de la grippe de l'époque. Très contagieuse, une durée d'incubation de 1 à 2 jours, et une mortalité assez faible de 0,15%, touchant surtout les personnes âgées et les nourrissons. Frissons, fièvre, fatigue, la plupart des personnes se rétablissent en quelques jours, et les décès sont surtout dus à l'affaiblissement de l'organisme, qui devient sensible à d'autres maladies, comme la pneumonie ou la bronchite. Mais du coup, comme la maladie ressemble beaucoup à ce qu'on connaissait déjà avant, l'épidémie de grippe H1N1 progresse cachée, ne se différenciant pas de la grippe classique, et surtout profitant du bazar mis par la Première Guerre mondiale. Impossible de la détecter, la contagion mondiale peut commencer. Début mars 1918 commence la première vague. Elle durera jusqu'au mois de juin 1918. Dans l'état américain du Kansas, comté de Haskell, le médecin de campagne Loring Miner traite le soldat Albert Gitchell, le custode du camp. Alors attention, le soldat Gitchell n'est certainement pas le premier à avoir attrapé la grippe espagnole. Par exemple, l'armée américaine signalait déjà depuis le mois de décembre 1917 un taux anormalement élevé de décès dû à des maladies respiratoires. Néanmoins, Albert Gitchell est le premier patient à avoir été enregistré. Trois semaines plus tard, toujours dans ce camp qui comptait en moyenne 56 000 recrues, on compte 1100 malades graves et 38 morts. Et ce n'est que le début. Mais attention, je rappelle que cette première vague reste presque classique par rapport à la grippe habituelle. En plus, c'est le bazar au niveau mondial. En plus, en général, le printemps à l'époque, c'est à peu près à ce moment-là que les grippes saisonnières s'arrêtent, bref. Pour toutes ces raisons, les autorités sanitaires américaines ne prennent aucune mesure pour contrer le virus pendant cette première vague. À la mi-mars, soit à peine 10 jours après que le soldat Gitchell se soit présenté à l'infirmerie, d'autres camps militaires comme le camp Forrest à Tullahoma dans le Tennessee ou le fort Oglethorpe en Géorgie signalent une sorte de pneumonie. Dans le même temps, la maladie se propage à la population civile. Le problème avec ce premier camp militaire et ses 56 000 recrues, c'est qu'il s'agit d'un important camp d'entraînement pour les troupes du corps expéditionnaire américain. Ça vous dit rien ? Le corps expéditionnaire américain, c'est les troupes qui vont être envoyées sur le sol européen, et principalement français, pour aller combattre l'Empire allemand. Ouais, puisque les États-Unis sont rentrés en guerre contre l'Allemagne quelques temps plus tôt, le 6 avril 1917, bah il faut former des troupes et les envoyer sur l'autre continent, ça prend du temps. Et c'est ainsi que la grippe débarque en France avec le corps expéditionnaire américain, apparemment dès le mois d'avril 1918. Et en fait, la maladie se répand rapidement à la faveur du mouvement des troupes alliées. Le virus se propage à la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne,
c'est déjà une pandémie à l'époque. Mais on ne le sait même pas. Les taux de mortalité sont pas sensiblement supérieurs à la normale, ça on l'a déjà dit. Et cette première vague passe, encore une fois, assez inaperçue. La guerre est en cours, les médecins se concentrent sur le maintien des soldats en bonne santé sur le champ de bataille. Durant l'été, le nombre de cas signalés baisse, toujours comme la grippe classique finalement. Puis vient la seconde vague. Ouais, le virus mute subitement dans une souche très virulente et surtout très mortelle. Et si habituellement ce sont les nourrissons et les personnes âgées qui en souffrent le plus, avec cette deuxième vague, la plupart des victimes auront entre 20 et 40 ans. Ce nouveau virus, ce virus muté, apparaît plus ou moins simultanément dans 4 villes portuaires, Boston aux États-Unis, Brest en France, Dakar au Sénégal et Freetown en Sierra Leone. Nous sommes à la fin du mois d'août de l'année 1918. Le virus est alors plus de 30 fois plus mortel qu'une grippe classique et est hautement contagieux. Une base militaire, Camp Devens, près de Boston et comptant plus de 45 000 soldats, en a fait les frais. Le 8 septembre, un soldat tombe gravement malade, au point qu'on pense à une méningite. Le lendemain, ils sont 12 dans l'infirmerie, et 15 jours plus tard, le 23 septembre, le nombre de malades atteint le chiffre de 12 604, et 63 soldats meurent ce jour-là. D'après les archives de la base, les cadavres s'entassent dans les couloirs de la morgue, impossible de faire face à l'afflux de morts. Rien qu'aux États-Unis, entre les mois de septembre et de décembre 1918, 292 000 décès ont été signalés, contre environ 26 000 habituellement. Le virus se répand en une semaine à l'ensemble du pays par les voyageurs contaminés civils ou militaires. Apparu en Europe fin août, en octobre, c'est tout le continent européen qui est touché. 30 à 40% de la population européenne est malade et jusqu'à 5% des malades en succombent. Je rappelle qu'une grippe normale, c'est 0,15%. Les autorités prennent alors conscience un petit peu tard de l'épidémie, les villes sont paralysées en raison du nombre de malades, de nombreux travailleurs refusent d'aller travailler pour éviter la contamination, le port du masque devient obligatoire dans certaines villes, les médecins sont débordés, impuissants et désemparés par l'épidémie qui décime le personnel médical. Aux États-Unis, on tente comme on peut de combattre l'épidémie. Par exemple, le commissaire à la santé de la ville de New York a tenté de ralentir la transmission de la grippe en ordonnant aux entreprises d'échelonner les horaires de travail afin d'éviter la surpopulation dans les métros. Tandis que les citoyens de San Francisco étaient condamnés à une amende de 5 $, 72 euros aujourd'hui, s'ils étaient surpris en public, sans masque et accusés de troubler la paix. Si la France est touchée par la deuxième vague à la fin du mois d'août, c'est à partir de la mi-octobre 1918 qu'elle va faire un maximum de dégâts, via justement le corps expéditionnaire américain, gravement touché par la grippe lors de sa traversée de l'Atlantique. Le virus suit alors les armées jusqu'au front et contamine chaque ville traversée. En France, on dénombre environ 240 000 décès dus à la grippe espagnole au total. Le No Man's Land n'arrête pas le virus qui touche autant les armées alliées que allemandes, qui le ramèneront avec elles dans leur pays, poursuivant ainsi la propagation de l'épidémie. Le pic de mortalité en Europe est atteint au moment de l'armistice en novembre 1918, avec des chiffres supérieurs aux États-Unis en raison de l'affaiblissement des populations suite aux pénuries et à la guerre, aux conditions d'hygiène dans les tranchées, etc., etc. D'ailleurs, si vous avez des doutes sur la Première Guerre mondiale, n'oubliez pas d'aller checker mon autre chaîne YouTube, ce sont 10 cours d'histoire, très intéressants pour les élèves ou même pour vous, pour votre culture générale. À partir d'Europe, le virus se propage à l'ensemble des colonies des puissances européennes en Afrique, en Asie ou en Océanie, où, hormis en Australie, aucune mesure de quarantaine n'est prise, ce qui a des conséquences catastrophiques pour les populations locales qui n'ont jamais été mises en contact avec un tel virus auparavant, et qui n'ont pas la protection immunitaire dont bénéficient les Européens ou les Américains. Sur ces populations, le nombre de malades monte jusqu'à 80% des populations, avec un taux de mortalité entre 1 et 20%. Ici encore, le virus suit le trajet des navires avec les marins infectés qui contaminent la population, faute de quarantaine. Je vais vous donner un exemple, c'est un cas très connu, mais aussi le plus dramatique. C'est le vapeur Talun, SS Talun. Le navire part d'Auckland le 30 octobre 1918 avec 2 marins malades à bord pour diverses escales dans les Fidji, les Samoa et le Tonga. Aucune mesure n'est prise malgré la connaissance des cas de grippe à bord. Oui, oui, ils étaient au courant. Le navire arrive aux Fidji avec 5 malades à bord et embarque 90 marins fidjiens pour la suite de sa tournée. Il accoste aux Samoa le 7 novembre et repart rapidement après avoir déchargé les marchandises. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont également déchargé le virus. Un quart de la population va mourir de cette maladie. Le 14 novembre, le Talun repasse aux Fidji, redéposer son complément d'équipage, embarqué une semaine plus tôt,
tous sont malades de la grippe, et 15 sur les 90 vont en succomber. En quelques jours, le navire, en propageant la grippe dans des îles jusqu'alors épargnées, provoque la mort directe de plus de 8000 personnes, et certaines îles mettront plus de 20 ans pour retrouver leurs populations initiales. Après l'été 1918 aux États-Unis et d'octobre à novembre 1918 à travers le monde entier, une troisième vague se déclare de février à mai 1919, avec des conséquences plus limitées que la deuxième, même si des milliers de personnes succombent de la maladie. Puis elle revient dans plusieurs pays jusqu'en 1920. Le dernier cas de grippe espagnole sera signalé en juillet 1921 en Nouvelle-Calédonie. Le bilan humain de la pandémie de grippe de 1918-1919 est terrible. Entre un tiers et la moitié de l'humanité, 1,83 milliard en 1918, a contracté la maladie. Le nombre total de victimes au niveau mondial est encore mal connu aujourd'hui, faute d'informations fiables sur plusieurs territoires. Cependant, les dernières évaluations des chercheurs, toujours revues à la hausse, admettent une estimation comprise entre 50 et 100 millions de morts de causes directes ou indirectes, ce qui en fait l'épidémie la plus grave de l'humanité. En France, on compte environ 240 000 victimes, dont 30 000 uniquement à Paris. Les États-Unis ont un nombre équivalent de victimes, c'est 4 fois plus que le bilan humain de la guerre pour ce pays. Aux Samoa occidentales, 90% de la population a été touchée, et 30% de la population adulte masculine, 22% de la population adulte féminine et 10% des enfants ont péri de la maladie. Contrairement à la grippe classique, les victimes de la pandémie de 1918-1919 ont pour la plupart entre 20 et 40 ans, ce qui marque les contemporains. Une hypothèse avancée pour expliquer cette anomalie est les variations passées de la maladie. En effet, entre 1980 et 1900, les enfants auraient surtout été exposés à des souches de grippe de type H3N8, ce qui les aurait rendus plus sensibles au virus du type H1N1 arrivé 20 à 40 ans plus tard, en 1918 du coup. Et du coup, n'ayant pas la mémoire de ce virus H1N1, leur système immunitaire a surréagi. Ça s'appelle un choc cytokinique. Ce qui explique la forte mortalité de ces tranches d'âge habituellement épargnées par ce virus, et qui provoque une mort très choquante pour les contemporains. Ce choc cytokinique entraîne une inflammation grave et une accumulation de liquide dans les poumons, les patients se noyant dans leurs propres poumons. Oui. D'ailleurs, tu savais que les médecins britanniques qui ont pratiqué des autopsies sur les soldats tués par cette deuxième vague de grippe espagnole ont décrit les dommages importants causés aux poumons comme étant similaires aux effets de la guerre chimique? Ah oui, quand même. Impressionnant. Et justement, ce chiffre impressionnant de victimes s'explique aussi par le peu de moyens disponibles pour lutter contre le virus. La toute première campagne de vaccination contre la grippe aura lieu bien plus tard pour protéger les soldats américains venus combattre en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Faut dire aussi qu'avant cela, en fait, on ne savait pas vraiment ce qu'était la grippe et qu'elle était causée par un virus. Les chercheurs même de l'époque n'étaient pas d'accord sur la véritable définition d'un virus. Difficile dans ce cas de combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. En espérant combattre la maladie, de nombreux médecins américains recommandent l'utilisation de l'aspirine. On conseille même de prendre jusqu'à 30 grammes par jour. Alors pour info, aujourd'hui, la dose maximale quotidienne est 10 fois moins élevée. Et même là, on dit que c'est dangereux. Donc on suppose, mais il est difficile de vérifier cela aujourd'hui, que pas mal de décès ont été causés ou accélérés par un empoisonnement à l'aspirine. D'ailleurs, le saviez-vous, cette pandémie a eu des conséquences géopolitiques inattendues. L'un des malades de cette épidémie ne fut ni plus ni moins que le président américain Woodrow Wilson, qui était à Versailles en 1919 pour discuter des négociations de paix de la signature du futur traité de Versailles, le traité de paix de la Première Guerre mondiale. Du coup, grippé et alité, le président américain n'a pas vraiment pu défendre son projet en 14 points qui incluait notamment le libre-échange entre les pays auparavant en guerre, la démocratie, l'abolition de la diplomatie secrète, le désarmement, l'autodétermination des peuples, etc., etc. Ainsi, éloigné un temps des négociations de paix à Versailles, les pays européens discutent seuls et organisent la paix emplie de rancœur envers les ennemis vaincus et plantent les graines des conflits à venir en écrasant l'Allemagne et coupant son territoire en deux, ce qui sera l'un des éléments déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale. Bon, mais il reste une question essentielle. Pourquoi on appelle cette pandémie grippe espagnole ? C'est une excellente question. Et comme pour l'origine du virus, il n'y a pas vraiment de réponse simple, mais plutôt un ensemble d'hypothèses sur l'origine de ce nom. La première vient du contexte mondial. L'Espagne est, en 1918, l'un des rares états d'Europe restés neutres et dont la presse n'est pas soumise à la censure et à l'obligation du secret militaire imposé aux belligérants. C'est ainsi que la presse espagnole, en fait, sera la première à évoquer l'épidémie.
D'autant plus que les virus touchent l'ensemble de la famille royale, le roi Alphonse XIII en tête. L'information étant tenue secrète ailleurs, l'opinion publique a donc associé l'épidémie à sa zone de propagation connue, l'Espagne. D'où son nom de grippe espagnole. La médiatisation de l'épidémie en Espagne a été une prise de conscience du caractère mondial de la pandémie, renforçant l'appellation de grippe espagnole. D'autres théories évoquent que l'Espagne serait l'un des lieux où le virus aurait muté en sa version la plus virulente lors de sa deuxième vague de diffusion à partir de septembre 1918. Mais dans d'autres pays, le virus prend d'autres noms. Au Sénégal, on parle de grippe brésilienne, au Brésil de grippe allemande, en Pologne de grippe bolchevique, en Perse de grippe britannique, reportant ainsi le virus sur le pays responsable de son importation ou sur l'adversaire. Si elle fut la plus meurtrière, l'épidémie de grippe de 1918-1919 ne fut pas la première ni la dernière de l'histoire. La grippe asiatique de 1957-58 de souche H2N2 fit entre 1 et 1,5 million de morts dans le monde. En 1968-1969, la grippe de Hong Kong de type H3N2 fit près de 1 million de morts, et en 2009, la grippe A met le monde en émoi et en alerte maximale, car étant issue d'une souche proche de celle de 1918-1919, à savoir H1N1, qui heureusement fut nettement moins virulente avec 10 000 décès recensés dans le monde. La virulence de cette pandémie fait prendre conscience aux contemporains de la menace pesante sur l'humanité et la nécessité de la mise en place de mesures d'hygiène et de surveillance à l'échelle mondiale, qui débouchera sur la création du Comité d'hygiène de la Société des Nations, l'ancêtre de l'OMS, ou Organisation Mondiale de la Santé actuelle. 100 ans après, le monde se retrouve confronté à nouveau à une pandémie dont on n'a pour l'instant aucun remède, et 100 ans après, l'histoire semble se répéter de manière assez étrange. En 1918 déjà, les gens disaient que ce serait un petit rhume. Moi aussi, je l'ai pensé pendant un temps, que ça ne sortirait pas de Chine, qu'on serait épargné. C'était naïf. Pas un instant, je n'aurais imaginé ce qui s'est passé en 2020, que tous les jours, les informations allaient nous parler du coronavirus. Je me sens un peu con maintenant, j'avoue. Dites-moi en commentaire que j'étais pas tout seul à penser ça, s'il vous plaît. Et pourtant, très rapidement, en 1918 comme en 2020, les systèmes de santé sont débordés. En 1918, le confinement est déjà à l'ordre du jour. Confinement, masques, fermeture des théâtres, des écoles, des frontières, des mesures qui nous semblent très familières en 2020, n'est-ce pas? Ainsi, 100 ans après, sont réapparues les images de gens masqués, des hôpitaux débordés, de la perturbation de la vie économique en raison du nombre de malades ou du confinement. En 1918, on comprend rapidement que le regroupement de gens peut entraîner d'autres contaminations, on impose des mesures d'hygiène, on met en quarantaine les personnes soupçonnées d'être contaminées, mais pas partout. Tiens, voici un exemple entre deux villes aux États-Unis, nous sommes au début de la deuxième vague. Il y a plus de 200 000 personnes qui assistent à une parade à Philadelphie, en Pennsylvanie. Une parade pour, en gros, inciter les gens à donner de l'argent à l'État pour payer les besoins de l'armée, parce que nous sommes en guerre. Et à peu près au même moment, la ville de Saint-Louis dans le Missouri choisit d'annuler sa propre parade et d'autres grands événements. Le résultat ? Un mois plus tard, on compte plus de 10 000 décès à Philadelphie dus à la grippe espagnole. 700 à Saint-Louis. Cet exemple montre l'intérêt d'annuler les grands rassemblements et de recourir aux mesures de distanciation sociale lors de pandémies comme celle-ci. Et aujourd'hui, comme en 1918, on a peur. Peur au point de miser sur le premier remède annoncé comme miraculeux, qui malheureusement ne le fut jamais, qu'il soit issu d'expériences médicales jugées prometteuses, ou des remèdes complètement farfelus colportés par des charlatans. Par exemple, tu savais que le whisky était censé être efficace pour lutter contre la grippe espagnole? Et pourtant, la médecine progresse à une vitesse folle. Comparons, si vous le voulez bien, le VIH apparu dans les années 1980 et le SARS-CoV-2. Pour le VIH, il a fallu 2 ans pour identifier le virus, puis encore 2 ans pour séquencer son génome. Pour le SARS-CoV-2, l'ensemble a pris 1 mois. Il a fallu 8 ans pour avoir des tests de diagnostic quantitatifs à partir de cette séquence pour le VIH. Moins d'une semaine pour le SARS-CoV-2. Le tout alors que le VIH s'était adapté aux humains depuis une 60aine d'années avant d'être repéré, alors que ça se compte en semaines pour le SARS-CoV-2. L'humanité est donc bien moins démunie qu'auparavant parce que l'OMS, par exemple, assure une veille mondiale des épidémies, et la science a progressé, c'est indiscutable. Quant à savoir si la nature humaine a progressé, par contre... Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe financièrement sur Tipeee ou Utip. Toute aide, même un simple partage, est grandement appréciée.
N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le pouce en l'air qui va bien. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs, si cette émission en est arrivée jusque là, c'est grâce à vous, donc rejoignez-les. Et merci à Justin Le Carpentier, docteur en histoire contemporaine, qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les livres qu'il a pu écrire, les liens sont en description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, d'habitude je sors une phrase, mais là j'avais pas d'idée. Saviez-vous, ce téléphone n'est même pas branché. C'est un faux. Enfin, non, je crois qu'il pourrait marcher, il y avait des fils avec. Mais ça, c'est dommage, c'est un faux cadran. Ça tombe pas, c'est dommage, c'est juste des boutons. Là, ça marche. Oh tiens, j'ai une clé. C'est pour ouvrir le coffre. Pour les pièces. Vous en foutez. Du coup, écrivez dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci pour la découverte du téléphone. Voilà. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.